Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un props? Alors honnêtement, avant que tu m'expliques tout à l'heure, non, et j'ai un peu du mal à gérer. En gros, c'est tout ce qui habille un film, c'est-à-dire, et mieux si c'est de la SF. Pas forcément la SF, ça. Pas forcément la SF, mais bon, si tu fais de la SF, t'as beaucoup de boulot. Voilà. C'est ça. À part si c'est du Docteur Who, où finalement, certains épisodes, il n'y a pas tant de boulot que ça. Voilà. L'exemple typique, dans les acteurs présents aujourd'hui, il y avait des acteurs qui gardent, que ce soit des stéthoscopes ou des choses dans le genre, en fonction de leur rôle. Est-ce que toi, personnellement, tu as des goodies, des choses que tu gardes, des choses comme, je sais pas, un sabre Star Wars ou des choses dans le genre? Moi, c'est un peu spécial parce que Nerds, la série, elle a été tournée chez moi. Et la plupart des trucs qu'il y a dans les décors, les épées de Star Wars, les manettes de jeu, tous les trucs, c'est des trucs qui sont à moi à la base. Donc, effectivement, j'ai gardé quasiment tous les décors de Nerds, si tu veux. Mais il y a des choses qu'on a achetées spécialement pour Nerds. Par exemple, le mug tête de mort de Dark, qu'on a acheté spécialement pour la série. Ça, c'est un truc que j'ai gardé, que Poulpe m'a laissé, tout ça, machin. En fait, c'est la tasse tête de mort de Pierre des Caraïbes de Disney. Bon, nous, on l'a adapté à Nerds, quoi, voilà. Sinon, non, j'ai pas de trucs goodies que j'ai gardé. Je me sers souvent de mon zizi et je l'ai toujours sur moi. Petite question, à part faire donc une émission, est-ce que tu as le temps de regarder des séries? Est-ce que tu aimes certaines séries? Ah ouais, moi je regarde énormément de séries américaines. Moi, en ce moment, je regarde Game of Thrones, je regarde Mon Oncle Charlie saison 9, je regarde Sanctuary, je regarde Life, je regarde The Office, je regarde My Name is Earl, je regarde Raising Hope. Je regarde. Tous les soirs, je regarde au moins deux épisodes d'une série pour m'endormir. Voilà. Doctor Who, Buffy, Angel. Voilà. Je suis fan de séries américaines, grave quoi. Ma série du moment, c'est Game of Thrones. Et si tu devais t'identifier à un personnage justement d'une des séries, bon, à part Earl. J'ai une série que j'adore qui s'appelle Louis, qui est pas très connue. Et je m'identifie beaucoup, beaucoup au personnage. Voilà. Mais alors là, il n'y a pas d'effets spéciaux dans Louis. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a pas... C'est la vraie vie d'un comique qui est fait rire sur la scène et qui est dépressif dans le quotidien. Est-ce que dans l'avenir, est-ce que tu penses que tu vas entrer en tant que guest dans Saturday Man? Je sais pas, on m'a pas demandé. Je sais pas. Déjà, j'ai fait guest dans Bref. Voilà, c'est pas mal. Bientôt je fais guest dans Very Bad Blague sur Direct8. Voilà, ils m'ont pas demandé, je sais pas. Pourquoi pas? Après, s'il faut aller tourner en Belgique, ils sont bizarres, ils font l'amour aux enfants, je suis pas sûr. Hein. Quoi? C'est des on-dit? Non. Mon actu, c'est que je sors la BD Karate Boy le 21 juin. On sort le DVD Karate Boy à Japan Expo, l'intégrale avec tous les épisodes de Karate Boy qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui. Et on a le Golden Show, qui est notre émission à sketch. La prochaine émission sort le 6 mai. Et on fera une émission spéciale à Japan Expo en public, avec plus de 3000 places possibles, où les gens pourront voir plein de sketchs du Golden Show, quelques inédits et des quiz. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura une version spéciale contre Transpirman? Putain, Transpirman quoi, tu parles des bitomanes et tout machin. C'est pas prévu. Mais on l'aime Transpirman. On l'aime.